On quitte le course pour prendre cette petite traverse qui nous monte vers le quartier Saint-Hilaire. Autre chose, souvent ces chemins, ce sont d'anciens chemins de desserve, en fin de compte, de champs de culture. C'est-à-dire, c'est le lieu de passage pour l'agriculteur pour aller sur les terrains et à droite et à gauche. Donc souvent, une traverse comme ça, c'est la limite entre deux anciennes exploitations. Dans la Ville de Grasse, eh bien, vous avez une déclivité qui fait que toute rue qui va être plutôt du sens nord-sud va imposer une pente assez sévère et souvent aménagée d'escaliers. Car toute cette barre rocheuse, c'est un immense gruyère. Je sais que gruyère, ça n'a pas trop, hein, c'est l'émental. Donc un immense émental, si vous voulez, rempli de trous, rempli de cavités, et ça devient un réservoir immense d'eau qui fait que vous avez toujours de l'eau dans le pays de Grasse et qui va permettre d'alimenter ces cultures de plantes à parfum. Et le plateau ici, plateau Saint-Hilaire, est en lien avec la chapelle, était connu pour une tradition grassoise assez particulière qui était la fête des Jouvines, que certains évêques de Grasse ont essayé d'interdire à plusieurs reprises sans y arriver. Donc c'était le jeu officiel qui consistait pour les garçons à faire pipi le plus loin possible.